Bonjour à tous, c'est Catherine avec vous pour vous présenter la séquence de ce jeudi 12 septembre 2024. Bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent sur YouTube et sur les réseaux. Un petit coucou à toute ma petite famille de Jésus et mon guide. Nous allons commencer la séquence par la prière du jour. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Amen. Nous allons entrer dans ce petit moment de partage en invoquant l'Esprit Saint. Bonne écoute à chacun et à chacune. Saint-Esprit, je t'adore. Oui,
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous ? Nous savons que, dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique, bien qu'il y ait, en effet, au ciel et sur la terre, ce qu'on appelle des dieux. Et il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande. Et leur connaissance, qui est faible, s'en trouve souillée. En effet, si l'un d'eux te voit, toi qui as cette connaissance, attablé dans le temple d'une idole, cet homme qui a la conscience faible ne sera-t-il pas encouragé à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible. Ce frère par qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre vos frères et en le blessant, leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas faire tomber mon frère. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Nous allons nous quitter, bien entendu, sur un chant à notre maman du ciel pour terminer la séquence. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai choisi pour finir la chanson de Jeunesse en mission, Dame de notre île. Je vous souhaite à tous une agréable et belle journée avec le Seigneur. Comme Jésus, enseigne-moi, je m'abandonne à toi, façonne-moi. Et je me rirai du ciel.
choisis.